Mes pensées ne sont pas vos pensées. Chers frères et sœurs chrétiens, chers amis que vous nous suivez depuis vos maisons et aussi dans la diaspora, cette phrase qui nous a été dite dans la première lecture d'aujourd'hui, il est bien reflété dans la parabole des ouvriers de la ancienne heure qui nous propose une histoire, l'histoire d'un patron qui a une drôle façon de gérer son personnel. Le même salaire pour tous, quelle que soit la durée du travail accompli. Depuis de vie humaine, il nous semble pour nous tous que ce n'est pas juste. Mais la justice de Dieu n'est pas calculatrice, comme la nôtre. Nous calculons toujours. Nous sommes des scientifiques. La justice de Dieu, c'est une justice amoureuse. De cette parabole, nous pouvons faire trois lectures, même si les trois sont complémentaires. Nous pouvons voir cette parabole de point de vue économique et social. Mon ami, je n'ai fait aucun tort. La parabole n'est pas une leçon de gestion des ressources humaines. Regardons un peu, mes frères et sœurs, l'attitude du maître, qui n'est autre que Dieu. Il respecte les contrats signés, mais il tient compte d'abord du besoin de chacun pour rémunérer ses salariés. Mes frères et sœurs, regardons aujourd'hui notre entourage, notre société, nos propres familles, nos propres bureaux de travail. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que dans tous ces coins, nous sommes un peu malades. Pourquoi? Parce que nous souffrons d'appétits exacerbés et dévorants qui nous poussent à vouloir avoir plus, plus d'argent, plus de consommation, plus de relations. Ce mot plus, 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 on peut dire qu'il est dans la tête de tout le monde. C'est ça qui crée aujourd'hui dans notre société et même à l'intérieur de nos propres maisons, les inégalités. Mes frères et sœurs, fixons notre regard non dans nos mérites, mais quel est notre besoin et celui de nos frères. Est-ce que chacun de nous, mes frères et sœurs, nous en avons dans notre tête cette idée de plus et de plus et de plus? Le deuxième ordre où nous pouvons voir cette parabole, c'est de l'ordre ecclésial ou pastoral. Allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. Nous sommes en une période que on va commencer nos rentrées dans les écoles, dans certains endroits ils ont commencé déjà. D'ici aussi peut-être un peu de temps, nos communautés paroissiales s'ouvriront les portes et nous appellerons, comme chaque année, dans nos paroisses, à collaborer. Parce que nous en avons besoin des ouvriers pour travailler à cette vigne qui est nos paroisses, notre paroisse, la paroisse Saint-Jean Bosco. Certains parmi nous, c'est vrai, sont déjà embauchés depuis longtemps. Dans la catéchèse, dans la préparation des liturgies, dans l'accueil, dans l'accompagnement des malades, dans nos chorales, dans notre chorale de confinement et dans tous autres services nécessaires à la vie de notre paroisse. Nous faisons tous tout ce que nous pouvons de notre mieux. Parfois, nous sommes usés, fatigués. D'autres encore ont entendu l'appel plus tard, parfois peut-être récemment, et ils sont prêts à s'y mettre avec enthousiasme, mais aussi avec un peu d'hésitation toujours, ne sans pas encore se lancer totalement. Les ouvriers déjà au travail dans la vigne sont heureux, bien sûr, d'accueillir ces nouveaux collègues, nous pouvons dire,
Mais sommes-nous vraiment prêts à leur faire de la place, à nous laisser bousculer par des façons de faire différentes qui peuvent nous agacer, nous déranger? N'avons-nous pas parfois envie de dire nous aussi, ces dernières venues n'ont fait qu'une heure, et ils les traitent comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur? Chers frères et sœurs paroissiens, acceptons de déplacer notre regard, de laisser bousculer nos habitudes et nos façons de faire. Il y a du travail pour chacun à la vigne du Seigneur, et pas un travail en chacun pour soi, mais bien tous ensemble, en communauté, pour Dieu, pour l'Église et pour nos frères et sœurs. Le troisième, le tir que nous pouvons faire de cette parabole, nous pouvons dire que c'est encore d'ordre spirituel, sur notre rapport vis-à-vis de Dieu et sur notre chemin de foi. Il nous dit la parabole que le maître sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures et encore vers 5 heures. Frères et sœurs, nous devons nous réjouir du maître de la vigne. Nous voyons en lui l'amour de Dieu pour nous, qui ne cesse de venir nous appeler à toute heure du jour, à tout âge de notre vie, pour nous inviter à l'aimer et à le suivre. Soyons honnêtes avec Dieu et avec nous-mêmes. Ne sommes-nous pas tous les ouvriers de l'onctionneur? C'est lorsque nous l'oublions que notre regard devient mauvais. Va-t-il regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? Mon frère, ma sœur, accepte donc de déplacer ton regard sur Dieu et aussi sur toi-même. Cherche le Seigneur, il t'appelle chaque jour de ta vie. Reviens vers lui. Qu'il nous apprenne à regarder les autres comme des frères et des sœurs. Il n'y a pas ni de première ou de dernière. Nous tous, nous sommes appelés à la table des familles, tous enfants des mêmes pères qui nous aiment aujourd'hui et pour les siècles des siècles.